Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de réussir des tirs dans la tête avec le fusil à pompe à deux coups. Alors le fusil à pompe à deux coups c'est celui-ci, donc c'est un nouveau fusil à pompe depuis la saison 3 de Fortnite. Vous pouvez les trouver posés au sol comme ça sur la map de Fortnite et vous pouvez les trouver dans des coffres. Donc voilà, dès que vous avez un fusil à pompe à deux coups, ce que vous allez devoir faire c'est infliger des dégâts à des adversaires en leur tirant dans la tête. Donc, tout simplement, vous cherchez un adversaire, ensuite, vous lui tirez deux balles dans la tête et vous allez devoir réussir 5 tirs tête avec cette arme. Alors, il faut savoir qu'il y a une petite astuce, normalement, qui fonctionne toujours, c'est d'infliger des dégâts dans la tête des loups. Donc, si vous êtes sur un loup, même si vous êtes sur le dos d'un loup, vous lui tirez dans la tête avec votre fusil à pompe à deux coups et normalement ça devrait valider le défi s'ils n'ont pas patché le glitch parce que de base c'était un glitch, donc je ne sais pas si ça fonctionne toujours. Ou même si vous croisez un loup, bah, tirez-lui dans la tête 5 balles au total pour terminer le défi. Dès que vous aurez touché 5 fois un loup dans la tête ou alors 5 balles dans la tête d'un adversaire, bah, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao. Peace.